Bonjour à tous et merci d'être venus aussi nombreux pour revivre les aventures d'Icard, un Icard bien singulier, un Icard qui va découvrir l'automobile. Je commencerai par poser le, le contexte de, de mon étude et puis je vous présenterai le roman sur, que je vais commenter, à savoir « Le vol d'Icard » de Raymond Queneau. Et j'essaierai de voir comment un écrivain peut représenter l'idée de progrès. Et enfin, je verrai comment Queneau parvient à mettre à nu ce qu'on peut appeler le mythe du progrès. Le progrès qui nous réunit aujourd'hui est un sujet évidemment riche. Vous avez pu le constater avec les différentes conférences qui sont proposées. Pourquoi s'agit-il d'un sujet riche D'abord parce que c'est une question transversale qui va concerner des domaines extrêmement variés. Alors on songe bien sûr au progrès dans le domaine des sciences, de la technique, mais on peut aussi se poser la question d'un progrès en littérature, en philosophie, un progrès dans la société évidemment. Dans le roman que je vais aborder, la question centrale sera le progrès technique. Mais il y a également un deuxième axe qui explique la richesse de ce sujet. Le progrès, c'est aussi un objet de réflexion. Euh, et on parle en ce sens de l'idée de progrès. Évidemment, la, la discipline reine pour penser l'idée de progrès, c'est la philosophie. Et je vais donc vous parler aujourd'hui de littérature. Alors, euh, je vais essayer de vous exposer la singularité de l'approche littéraire. Alors, je le fais très rapidement, il faudrait y passer un peu plus de temps. Je partirai ici d'une idée d'Italo Calvino. Italo Calvino nous explique dans ses leçons américaines qu'il existe une légèreté du pensif, une légèreté pensive, comme il le dit. Et en réalité, la littérature va penser sans en avoir l'air. Et c'est là, à mon sens, tout l'intérêt de la littérature. Autrement dit, il n'y aura pas de système, il n'y aura pas de concept, mais la littérature va, en quelque sorte, jouer à penser. Et c'est ce décalage ludique que je souhaite aborder avec vous dans le vol d'Icard de Raymond Queneau. L'intérêt, évidemment, c'est d'accorder un, un rôle actif au lecteur qui doit euh, passer au-delà de, du plaisir premier de la littérature pour essayer de voir les questions que pose l'auteur. Et dans ce cadre, on verra comment Queneau repense euh, l'idée de progrès. Et on essaiera de voir quelle est la part de jeu et quelle est la part de sérieux, puisque euh, le, le jeu n'exclut pas le sérieux dans l'optique de Queneau. Euh, donc, quelle est la part de jeu, quelle est la part de sérieux dans cette critique du progrès Je vais maintenant donc présenter euh, le roman Le, le Vol d'Icare, c'est le dernier roman de Queneau. Euh, Queneau avait commencé sa carrière romanesque en 1933 avec Le Chien d'An, et il termine cette carrière romanesque en 1968 avec Le Vol d'Icare. C'est un roman singulier d'abord par sa forme puisqu'il se présente comme une pièce de théâtre, vous aurez l'occasion de le constater. Et puis le rythme est haletant, on peut le dire, et ça se présente quasiment même comme un scénario. Alors donc ce roman scénario est publié en 68, mais deuxième particularité, son intrigue est située donc vers 1895 et à Paris. L'intrigue est pleine de péripéties, alors je vais me contenter de vous tracer le, la ligne générale du roman. Euh, ce roman, on peut le résumer de la manière suivante il y a deux groupes de personnages. D'un côté, des romanciers, Hubert Lubert, Jacques, Jean, Surgé, et puis de l'autre, les personnages euh, de ces romanciers, dont Icare. Comment débute le roman euh, Hubert Lubert ouvre son manuscrit euh, et ne trouve plus son personnage, Icar. Et tout de suite, il va euh, penser à ses confrères qui lui auraient volé Icar. C'est le premier sens hein, du vol d'Icar. Euh, évidemment, c'est un calembour. Et à partir de là, tous les autres personnages vont se mettre à imiter Icar et vont euh, quitter le, le domicile graphique. Alors, juste un petit détail sur la, la fuite d'Icar. En fait, euh, il y a eu juste un courant d'air et Icar est sorti du manuscrit. Bon. À partir de là, les, les différents romanciers vont engager un détective privé qui s'appelle Morcol, un spécialiste en filature. Et euh, en réalité, euh, ce vol d'Icar va être un, une parodie de romans policiers. Alors, vous allez me dire, euh, que vient faire Icar là-dedans Évidemment, c'est un nom mythique. Alors, on songe au mythe d'Icar, vous le connaissez tous, il fait partie de de notre imaginaire collectif. Je vous, re... Je vous présente également une œuvre de, de Rubens hein, qui rappelle l'essentiel du mythe. Pour parler d'Icare, il faut revenir à Dédale, le père d'Icare, qui est un, un inventeur très astucieux, qui est un sculpteur et euh, qui est connu pour être l'architecte du labyrinthe qui enferme le Minotaure. Alors que va-t-il se passer pour euh, ce pauvre Dédale Il va trahir Minos, le roi de la Crète, et il va se retrouver enfermé avec son fils dans le labyrinthe. Que dit-il à ce moment-là Je cite les, les métamorphoses d'Ovide. « Minos peut bien me fermer les chemins de la terre et des ondes, mais du moins le ciel me reste ouvert. C'est la route que je prendrai. Euh, et que fait Dédale Eh bien, il est, comme je vous l'ai dit, il est très ingénieux, il va fabriquer une paire d'ailes en imitant la nature, en imitant les oiseaux. Et donc, il va euh, faire ses préconisations à son fils et lui dit, je te conseille de te tenir à mi-distance des ondes et du soleil. Vole entre les deux, la vertu est toujours médiane. Et il ajoute, prends-moi pour guide de ta route à suivre. Bien sûr, le fils, vous le savez, va désobéir, il va transgresser. Euh, et c'est ce qu'on appelle hein, l'ubris euh, d'Icare. C'est cette démesure hein, euh, qui va le, le caractériser. Il va, vouloir, il va être grisé par son vol et va vouloir voler toujours plus haut, jusqu'à se rapprocher du soleil. La cire va s'amollir et le personnage donc va chuter dans la mer. La mer qui sera son tombeau et qui s'appellera désormais la mer Icarienne. Que reste-t-il de ce mythe dans le vol d'Icare Eh bien, peu de choses a priori. Pourquoi je vous ai dit que enfin, le titre de ma conférence aujourd'hui c'est Icare amnésique. Notre Icare a oublié totalement son origine mythique. D'ailleurs, le roman que lui promettait Hubert Lubert n'avait strictement rien à voir avec le personnage antique d'Icare. Mais Queneau, lui, n'a pas oublié le mythe et il propose comme épigraphe de son roman la citation suivante Icare, Dixit, ou Bies, Quate, Regione, Requiram. C'est une citation des Métamorphoses d'Ovide. Le Dixit, ici, dit-il, renvoie à Dédale. Dédale vient de perdre son fils et c'est donc sa plainte. Icar, dit-il, Où es-tu En quel endroit me faut-il te chercher euh, Mais on peut attribuer ce Dixit aussi à Ovide qui est ici nommé par Queneau. Et en réalité, Ovid ne retrouve plus son Icar, hein, qui va être perdu hein, en cette fin du XIXe siècle. Donc on a un Icar, entre guillemets, délocalisé et finalement méconnaissable. Alors, il reste quand même des, des éléments du personnage mythique. C'est d'abord sa jeunesse. Euh, Hubert euh, Icar nous dit qu'il n'avait que quelques pages. Et puis, euh, évidemment, une soif de liberté dès lors qu'il va s'échapper du, du manuscrit. Ce qui nous permet de voir que le, le vol d'Icar est aussi une parodie de roman d'initiation. Pourquoi parodie Parce que l'initiation va se faire en compagnie d'une prostituée nommée Hélène, en deux lettres. Et puis, euh, sa première découverte va être celle de l'absinthe euh, dès le chapitre 2. Mais il va également découvrir euh, le monde moderne avec les voitures automobiles ce qui va évidemment être décisif. Donc on va maintenant aborder le thème du progrès dans ce roman. Je voudrais, pour ce faire, revenir à l'étymologie du mot progrès. Vous l'avez peut-être entendu avec les autres conférences, le terme progrès vient du latin progressus, c'est-à-dire l'action d'avancer. Ce n'est pas pour rien si d'aucuns disent qu'ils sont en marche, en marche bien sûr vers le progrès. Euh, et euh, en tout cas, ça justifie euh, le thème des transports dans le roman de Queneau Comment euh, montrer le progrès, si ce n'est en montrant ces véhicules qui avancent et qui avancent surtout de plus en plus vite euh, Le roman va, va correspondre à un mouvement continu et irrépressible qui va souligner l'accélération du progrès euh, jusqu'à... Eh bien, on va le voir dans quelques secondes. Euh, alors, on commence dans Linky par le fiacre. Les vieux romanciers comme Hubert Lubert prennent le fiacre. Euh, donc, dès lors qu'il se rend compte qu'il a perdu Icar, il sort et le voilà dehors. Il, elle, a un fiacre. Et puis, très vite, on va découvrir la voiture et surtout la voiture automobile. C'est ma deuxième citation. Cette voiture marche sans chevaux. Aussi l'appelle-t-on voiture automobile ce qu'on a tendance à oublier désormais. Et bien sûr, cela, c'est l'avenir. Euh, Icar fait son apprentissage hein, auprès d'un mécanicien et d'un garagiste. Mais en réalité, Icar est déjà au-delà, euh, vous vous en doutez bien. Et on peut songer à l'avion, hein, puisqu'il déclare, je ne crois pas tellement au progrès de l'automobilisme. Alors, il a un raisonnement assez intéressant. Il explique que comme la surface de la Terre est limitée, nécessairement, eh bien, on ne pourra pas rouler comme on l'entend. Et donc, à la manière de Dédale, hein, il va falloir conquérir les airs. Et Il dit pour moi l'avenir est dans les airs. Évidemment, il y a un double sens ici. Hein. Euh, de mon point de vue, l'avenir est dans les airs, mais aussi, ça sera l'expérience euh, d'Icare de reconquérir les airs. Euh, il reste cependant à préciser que Icar ne va pas prendre un avion, hein, même si les avions on songe par exemple au premier vol de Louis Blario en 1909 au-dessus de la Manche. Icar va faire un vol de cerf-volant. Donc, on a vu une première image du progrès qui est celle de l'avancée, hein, qui correspond à l'étymologie du progrès. Et en réalité, on voit qu'il euh, va y avoir une deuxième image pour représenter le progrès. Cette deuxième image, c'est celle de l'ascension. Euh, évidemment, hein, c'est une image du progrès dans la mesure où l'ascension correspond à la victoire sur la pesanteur. Euh, c'est déjà le cas dans un poème, par exemple, de Victor Hugo, dans La Légende des siècles, où il évoque une invention du 19e siècle, l'aéroscaf. Et. Hugo nous dit, il est le vaste élan du progrès vers le ciel. Mais bien sûr, le progrès va en quelque sorte euh, euh, se retourner, hein, puisque l'ascension s'inverse en chute dans la dernière scène du roman. Euh, de la même manière, l'avancée, le progrès de l'intrigue va se retourner vers le mythe, donc on va avoir un mouvement de régression également. Que se passe-t-il donc à la fin du roman Icar va faire un premier vol avec passagère, c'est un événement historique, sauf que c'est un premier vol de cerf-volant, comme je voulais annoncer. Et le vol va se présenter hein, euh, de la, comme une parabole ici. Euh, les spectateurs qui assistent à la scène commentent de la manière suivante. Il monte, il monte, il monte, il monte encore, il monte trop. Haut. Donc ici on entend l'hubris avec le trop, hein, et évidemment. Cela annonce la deuxième phase de ma parabole, mais il redescend, et surtout il ne redescend pas, il tombe. C'est l'affirmation de la chute, il tombe, il tombe, et il va s'écraser sur le sol. Il n'aura fait que passer par-dessus la scène. Donc la question qui guide mon étude ici, c'est de savoir quel est le sens de cette parabole du progrès. Parabole ici ayant un double sens, d'abord un sens mathématique, on le voit avec cette courbe, mais aussi un sens littéraire. Pour le comprendre, il faut peut-être revenir à ce qui a fondé l'idéologie moderne du progrès. L'idéologie moderne du progrès s'est fondée sur un idéal de maîtrise. Et vous avez peut-être déjà entendu cette citation du discours de la méthode, où Descartes promet à l'homme de, de se rendre comme maître et possesseur de la nature. Or, euh, ce que montre le roman et ce qui reflète finalement notre, euh, une forme du, du progrès moderne, c'est qu'on est dans une course du toujours plus. Euh, vous pouvez le, le constater tous les jours et Icare, de ce point de vue, est bien choisi. Euh, pourquoi Icare, c'est celui qui va vouloir aller toujours plus haut, hein, c'est son origine mythique. Et puis dans le roman... Il est aussi celui qui veut aller toujours plus vite, euh, puisque les, les voitures de l'époque font du 35-40 km/h, on aura l'occasion d'y revenir, mais lui, il pense déjà aux 100 km/h. Et dans cette course du toujours plus, on peut constater une force d'attraction du progrès. Euh, tout se passe comme si c'était le progrès qui dictait le mouvement euh, de, de l'homme. Euh, je cite le chapitre 35, ces vélos endiablés, ces tough Toft en bolide, Entraîne mon âme vers le progrès. Icar n'est plus le, le sujet de l'action, mais se laisse emporter par le mouvement du progrès. Euh, ce devrait être l'homme qui mène le monde, selon l'idéologie moderne du progrès. En, en réalité, on se rend compte que c'est le progrès qui mène le monde. Le thème de, de ces rencontres a été. Enfin, le, le titre de ces rencontres est bien choisi, de ce point de vue. Et le progrès mène le monde jusqu'à sa chute. Voyons la chute d'Icar. Eh bien, cette chute d'Icar, c'est. Une revanche de la nature. Si l'homme cherchait à se rendre comme maître et possesseur de la nature, c'est la nature qui, en définitive, a le dernier mot. Euh, en effet, quelle est la force qui finit par s'appliquer euh, dans le vol d'Icare C'est la pesanteur. Et comme dans tout mythe tragique, il y a un effet d'ironie, puisque le, le, le personnage pressent sa fin sans le savoir, en fait. Euh, Icare dit Je suis libre comme l'air, ça nous montre bien ce désir d'émancipation qui va caractériser le progrès. Et pourtant, il ajoute dans une parenthèse euh, Dont j'ai appris qu'il est un tantinet pesant. Et c'est cette pesanteur qui va faire retour à la fin du, du roman. Ce progrès euh, est également mis en question de façon beaucoup plus rationnelle par Queneau. On le voit avec cette citation d'Hubert Lubert, qui est donc le romancier et qui est en fait le, le double de Queneau ici. Euh, Hubert Lubert déclare Tout progrès, si progrès il y a, n'est-il pas difficile à imaginer Évidemment, il va y avoir des évolutions. Mais la question euh, est de savoir si ces évolutions sont nécessairement synonymes de progrès. Euh, ce qui m'intéresse ici, c'est la condition si progrès il y a. Voyons ceci avec. Le contexte de 1895. Euh, le contexte de 1895 n'est pas choisi par hasard euh, par Queneau. Pourquoi À cette époque, il y a une véritable concurrence entre ce que Queneau appelle les voitures pétrolifages, c'est-à-dire les voitures qui mangent du pétrole, et puis euh, les voitures électriques. Le mécanicien s'adresse à Icar. « Jeune homme, vous avez raison de vous intéresser à cela, car cela, c'est l'avenir. Bientôt, nous atteindrons le 40 km à l'heure, vitesse qu'il sera difficile de dépasser. Donc là, on voit d'ores et déjà que le progrès, effectivement, est difficile à imaginer. Et puis, le mécanicien ajoute Je vois dans l'avenir des bornes électriques le long des routes où l'on rechargera les accus, car je suis pour l'électricité et pour le progrès. Ne me parlez pas du pétrole regardez-moi cela. Passe une voiture qui dégage beaucoup de bruit et des gaz puants. Non, ne me parlez pas du pétrole. Cela fait du boucan, ça empeste, ça explose, jamais le client n'en voudra. Et puis, si le nombre de voitures automobiles augmentait, il n'y aurait pas assez de pétrole dans le monde. Donc, vous voyez euh, toute une série d'arguments ici euh, contre le pétrole, hein, essentiellement la pollution et puis euh, le, la pénurie. Évidemment, Queneau joue avec les époques et nous amène à réfléchir, à, à nous dire si en 68, la voiture électrique a triomphé. Vous savez ce qu'il en est. Et ce qui est intéressant, c'est que le débat peut est encore valable aujourd'hui. Donc, ça témoigne d'un développement frénétique, comme je le disais, et potentiellement irréfléchi. Alors, bien sûr, c'est simple de le dire depuis 68, avec ce regard rétrospectif. En réalité, qu'est-ce qui explique ce progrès qui peut devenir frénétique C'est l'ivresse que nous procure le progrès. Si la religion a pu être considérée comme l'opium du peuple, le progrès sera l'absinthe du peuple. Euh, et c'est l'intérêt de l'initiation d'Icare avec l'absinthe, hein, puisque grâce à l'absinthe, Icare va connaître ses premiers envols, euh, ce qui anticipe donc sur la fin du roman. Dès le chapitre 2, hein, dès sa première absinthe, il déclare ⁇ Je me sens échappé aux forces de gravitation ⁇ Et vous imaginez que la chute n'est pas loin. Euh, et on peut le voir encore, par exemple, au chapitre 19, où Icard en est déjà à sa cinquième absinthe. Et donc, il précise sa pensée. « Je comparerais volontiers l'absinthe à la montgolfière. Elle élève l'esprit comme le ballon la nacelle. Elle transporte l'âme comme le ballon le voyageur. Elle multiplie les mirages de l'imagination comme le ballon les points de vue sur la sphère terrestre. On peut faire euh, ici le lien avec le progrès qui est aussi de l'ordre de la multiplication des possibles, évidemment. Euh, mais vous voyez la connotation qui s'ajoute ici avec le thème du mirage. Et tout se termine de la manière suivante. Buvons donc, nageons dans le flot laiteux et verdâtre des images oniriques désagrégées. En fait, Queneau anticipe sur la fin tragique d'Icare qui se retrouve donc dans la mer Icarienne, comme je l'ai rappelé tout à l'heure au moment où les images oniriques, le rêve du progrès se désagrègent. Alors, je suis peut-être allé un peu loin avec cette métaphore et je vais vous montrer également cette ivresse du progrès à travers la rhétorique qui accompagne ce progrès. Une rhétorique qu'on peut considérer comme simple, voire simpliste, puisqu'elle passe par un certain nombre de mots d'ordre, on pourrait même dire des slogans. On en a déjà vu un tout à l'heure avec le mécanicien, cela c'est l'avenir. Et Icar lui-même déclare Allons vers l'avenir. Donc évidemment, le progrès s'accompagne d'un enthousiasme. Et vous noterez qu'à chaque fois, ces répliques sont extrêmement lapidaires. Elles n'admettent aucune contestation. Euh, et ce qui le montre encore, c'est cette déclaration d'Icar hein, qui se dispute avec Hélène, sa compagne prostituée, et qui lui dit Le vélo, c'est le passé. Euh, Hélène fait des culottes cyclistes. Donc vous voyez comment se construit le progrès. On va définitivement enterrer le passé pour se projeter vers les différents possibles qu'offre l'avenir. En réalité, le progrès va, va se présenter comme une mythologie moderne. Et on retrouve effectivement cette capacité, à, enfin cette nécessité d'enterrer le passé avec Hélène qui... Se disputant avec une cliente euh, bien née, euh, eh bien, elle se trompe de référence mythologique. Et puis, elle lui dit qu'importe la mythologie ancienne, ce qui compte pour nous, femmes, c'est la mythologie moderne. La fée électricité, la Tour Eiffel, la Panarévasor, et bien sûr la petite reine, euh, vu qu'elle tient un, une boutique de culottes cyclistes. Euh, cette mythologie moderne va enterrer hein, la, la mythologie ancienne. Et celui qui a le mieux parlé, je pense, de cette mythologie moderne, c'est Roland Barthes dans ses mythologies. Alors, l'ouvrage date de 1957 et il s'intéresse notamment à la mythologie automobile. Euh, on a vu que dans l'énumération, on avait la Panhard Levassor, Et Barthes, lui, nous parle de la nouvelle citroën. Alors, en 1957, c'est la fameuse DS. D'ailleurs, le nom n'est pas anodin. Voici ce que dit Barthes Il se peut que la DS marque un changement dans la mythologie automobile. Jusqu'à présent, la voiture superlative tenait plutôt du bestiaire de la puissance. Elle devient ici plus spirituelle et plus objective. On passe visiblement d'une alchimie de la vitesse à une gourmandise de la conduite. Bart nous montre comment la mythologie automobile évolue. Et ce qui m'intéresse ici, c'est la première étape de cette mythologie automobile, à savoir cette alchimie de la vitesse. Avec la Dion-Bouton et la panard qui sont des personnages à part entière dans le roman de Queneau, euh, on retourne donc aux sources du mythe automobile. Alors, qu'est-ce qu'une automobile C'est d'abord un objet, et puis euh, ça a une signification qui est véhicule de transport. Voilà le signe voiture. Et puis, que se passe-t-il avec euh, la portée euh, mythique euh, de l'automobile Eh bien, on va réduire ce signe à un simple concept mythique qui est celui de vitesse. Alors voici à quoi ressemble une panard Lévassor. On se replonge dans le contexte de 1895. Et euh, bien sûr, Queneau joue du décalage temporel, puisque, je vous l'ai dit, hein, la vitesse est du 35-40 km à l'heure. Évidemment, il tourne en dérision ce mythe automobile avec cette fascination pour la vitesse qu'on peut avoir à l'époque. Reste que certains y ont vraiment cru à ce mythe automobile, et c'est le cas, par exemple. Euh, du mouvement d'avant-garde des futuristes italiens. Voici ce que dit euh, le poète Marinetti dans un des, des manifestes du futurisme. Nous déclarons que la splendeur du monde s'est enrichie d'une beauté nouvelle, la beauté de la vitesse. Une automobile de course avec son coffre orné de gros tuyaux tels des serpents à l'haleine explosive, une automobile rugissante qui a l'air de courir sur de la mitraille, est plus belle que la victoire de Samotras. Donc, que fait-on eh On enterre purement et simplement la beauté antique, cette victoire de Samothrace, au profit de cette beauté moderne, qui est donc la beauté de l'automobile et surtout la beauté de la vitesse. Euh, également, je vous ai proposé également un petit tableau de Luigi Russolo, qui est également un futuriste, qui montre bien cette déformation de, le, de la voiture pour n'être tournée que vers la vitesse, vers cette fascination de la vitesse. Je vous conseille également un tableau qui s'appelle Le dynamisme du chien en laisse, et vous verrez comment est traitée la vitesse. Alors, non seulement on peut parler d'un mythe du progrès, mais le progrès euh, devient quasiment une nouvelle religion. On a vu, grâce à la rhétorique du progrès, que euh, le progrès, c'était essentiellement une rêverie hein, sur l'avenir, et donc ça donne très vite lieu à une forme de prophétisme, au sens religieux du terme. Voici un dialogue entre monsieur Berrier le garagiste qui a recruté Icare et donc Icare lui-même. Monsieur Berrier a fait une première prophétie, il pense qu'on va inventer une route circulaire où on pourra faire de la vitesse justement. Et puis il ajoute un rêve plus fou encore serait une route uniquement réservée aux voitures et qui irait de quelque part à quelque part. Fascinant, n'est-ce pas Il invente euh, l'autoroute ici. Euh, donc bien sûr, l'effet de dérision euh, met en question le, le prophétisme. Et puis, euh, il va encore plus loin. Un rêve plus fou encore, c'est lorsqu'il n'y aura plus de voitures automobiles du tout. Elles auront disparu comme le mammouth. Alors bien sûr, pour aller euh, du côté du prophétisme, on va basculer hein, vers un style apocalyptique. Et puis, euh, vous noterez la majuscule à L pour les voitures, hein, majuscule qu'on emploie généralement pour Dieu, Il. Euh, et donc, les voitures sont de, de nouvelles idoles. Et Icar reconnaît hein, la, la, la capacité prophétique de son maître. Euh, vous, au moins, Monsieur Berrier, il y a bien trois R hein, dans le manuscrit. Euh, c'est le vrombissement des voitures. D'ailleurs, il, il y a la Dion-Bouton. Il y a une réplique avec la Dion-Bouton c'est vrout-vroum. Donc, toujours sur la vitesse. Euh, et donc, vous, au moins, Monsieur Berrier, vous voyez loin. Vous êtes un vrai prophète. Le progrès avec ses vrais prophètes contre la religion et ses faux prophètes. Euh, et ça se termine de la manière suivante. Alors dites-moi, monsieur Berryer, croyez-vous qu'un jour on fera du 100 km à l'heure Cela, jamais, mon fils. Cela, jamais. Donc, échec euh, de la prophétie, évidemment. Euh, donc, j'ai essayé de montrer qu'il y avait une véritable fascination pour le progrès à travers cette portée mythique, cette référence à la, à la religion, et cette fascination euh, peut très vite se transformer en aveuglement. En réalité, tout se passe comme si le progrès était resté bloqué au stade de l'enfance. Et on va le voir, Icar, c'est bien sûr une image de l'enfance. Euh, les philosophes ont cherché à penser le progrès de l'humanité comme le progrès d'un seul homme. Donc, il y a une théorie hein, des, des âges de la vie pour penser le progrès depuis euh, Pascal. Donc, je cite ici uh, Turgot qui résume bien cette idée. Le genre humain, considéré depuis son origine, paraît aux yeux d'un philosophe un tout immense. Qui, lui-même, a comme chaque individu son enfance et ses progrès. Et eh bien ici, nous sommes restés au stade de l'enfance. Stade de l'enfance qu'on peut voir dans le texte, avec notamment la découverte de la Panard Lévassor par Icard. Alors, Icard, qu'est-ce que tu me dis de ce petit bijou Je dis mince. Le mince, hein, c'est le, le waouh de 1895. Et puis, lorsqu'il découvre le cerf-volant, hein, euh, qui va l'amener à, à, à sa fin, euh, je, je cite le texte. Il s'arrêta pile et se mit à examiner les environs, et vit alors des gamins qui jouaient avec un cerf-volant. Le thème de l'enfance est bien marqué avec ici la, la connotation autour du terme gamin. Cet objet ne figurait pas encore parmi ses expériences. Il s'y intéressa vivement. C'était un cerf-volant fort ordinaire avec une longue queue ornée de papillotes de papier. L'explication de quoi écart n'en vit pas la cause. Car a acheté au chapitre 5 un traité de mécanique, mais il ne va jamais vraiment euh, s'y pencher euh, sérieusement. Et en réalité, c'est ce qui va précipiter sa chute. Donc, on a euh, lié au thème de l'enfance un, un émerveillement permanent et puis une curiosité qui reste essentiellement superficielle. Alors, pour finir, je voudrais qu'on revienne à Dédale. Pourquoi Puisque les deux personnages Apparaissent en contraste dans les métamorphoses d'Ovide. Le jeune Icare se tenait à ses côtés, donc aux côtés dédale de, et sans se douter qu'il mariait ce qui devait le mettre en mortel péril, le sourire aux lèvres, cette innocence de l'enfance. Tantôt il saisissait au vol les plumes soulevées par un souffle d'air, tantôt du pouce il amollissait la cire blonde, et gênait par ses jeux le merveilleux travail de son père. Donc on retrouve hein, associé au thème de l'enfance le, le, le thème du jeu ici. Et on va avoir une opposition entre le plaisir du jeu et le travail. Généralement, on interprète l'ubris hein, comme un péché d'orgueil, mais en réalité, on voit qu'ici hein, euh, l'ubris c'est aussi un plaisir du jeu. Hein. Euh, c'est ce plaisir du jeu qui va le, il est grisé hein, par cet envol et c'est ce qui va le mener à sa perte. Donc, on a d'un côté hein, la fougue de la jeunesse et puis de l'autre côté la patience de Dédale qui est avant tout un artisan. Or, euh, qu'est-ce qui se passe dans notre imaginaire collectif Eh bien, on a mis l'accent à partir du XVIe siècle essentiellement sur le personnage d'Icare. Euh, et on a oublié finalement Dédale. Donc que fait nous Il remet en scène Icare, bien évidemment, mais il le ridiculise, hein, vous l'avez compris. Et puis on va retrouver dans l'ombre ce personnage de Dédale, avec le personnage du romancier. Alors pour nous c'est important. Le, perso le, le romancier est un artisan, et pas simplement un artiste maudit, comme on a voulu nous, nous le faire croire. Euh, le roman est parcouru par une image qui est celle du fil, euh, ce qui est en lien avec Dédale, hein, puisque Dédale euh, va permettre à Thésée de, de, de fuir le labyrinthe grâce au fil d'Ariane. On a vu que notre Morcol était spécialiste en filature, et on a un autre personnage de son romancier qui s'appelle Surget, etc., etc. Donc ça va être un artisan, et puis, euh, l'air de rien, euh, le romancier va amener... Le personnage d'Icare a sa fin. Il va accomplir son destin. Euh, et le roman se termine de la manière suivante. Hubert-Lubert arrive euh, grâce à un taxi automobile sur le cantarodrome, c'est-à-dire le terrain de ses volant Et puis, euh, il ouvre son manuscrit et Icare vient s'écraser dans le manuscrit. Il déclare, tout se passa comme prévu, mon roman est terminé. Euh, donc, retour au mythe, hein, accomplissement du destin d'Icare. Alors pour terminer, je voulais vous montrer ce tableau de Bruegel qui s'intitule Paysage avec la chute d'Icare. Je vais vous laisser, vous prêter un petit jeu. Vous connaissez tous la série des Où est Charlie Eh bien ici, je vous laisse retrouver Icare. alors il est juste à, à côté du bateau ici d'ailleurs vous, vous aurez noté hein, que le soleil est déjà en train de se coucher et Ika est tout simplement en train de se noyer on n'y prête plus euh, attention et s'affirment alors trois personnages qui sont le laboureur le berger et puis le pêcheur trois personnages qui sont déjà dans les métamorphoses d'ovid alors dans les métamorphoses d'Ovide, ils regarde vers le ciel et voit des et Ils les prennent pour des dieux, évidemment. Euh, voilà aussi une image hein, du progrès. Euh, or, ici, que se passe-t-il Eh bien, on se rend compte que le berger hein, regarde le ciel, mais de l'autre côté. Et puis, on a surtout ce personnage très important du laboureur qui apparaît au premier plan. Euh, qui, à l'image de Dédale, à l'image du romancier Queneau, euh, nous présente une autre forme de progrès, un hein, progrès, on peut le dire, plus terre à terre, euh, et un progrès qui exige de la patience, euh, un travail au long cours. Et c'est sur cette image de progrès que je vais clore cette conférence. Je vous remercie de votre attention.